Donc ça y est, on est parti pour l'expédition qui clôture le cycle de l'ENFA, 3 ans de formation, et on part au Népal dans le massif du Langtang. Donc le Langtang, c'est un massif qui est à la fois très facile d'accès, puisque c'est juste une journée de plus de Katmandou, et c'est à la fois un massif qui a été très peu exploré en matière d'alpinisme. Il y a énormément de choses à faire, entre 5 et 7 000, donc c'est un massif qui est idéal pour une première expérience en altitude, une première expédition. Là, pour rejoindre donc, le début de la vallée du Langtang, on a d'abord pris un bus pour rejoindre donc, Katmandou à Siabrubesi, 1400 mètres. C'était une journée de à peu près 6 heures de bus, assez rocambolesque, faut le dire. On a croisé un petit peu tous les animaux, notamment les belles vaches qui ne pouvaient pas se pousser de la route. Donc on est arrivé le premier soir à Siabrubesi, donc à 1400 mètres d'altitude. Le lendemain, donc les porteurs ont préparé les charges. On est parti vers 9h le matin pour arriver le soir à Lama Hotel, donc 1000 mètres plus haut. On a pu voir le contraste assez impressionnant entre la jungle et les montagnes. La jungle assez dense et tout d'un coup tout le paysage qui s'ouvre. Et donc là on voit toutes les montagnes comme Langtang Yerung par exemple qui s'offre à nous. C'était magnifique. Langtang Yerung qui culmine à environ 7000 mètres d'altitude. Donc ça fait un contraste assez impressionnant par rapport à l'altitude à laquelle on est encore, c'est-à-dire environ 2800 mètres. Arrivé à Kangjingompa vers midi, 1h, on a profité de l'après-midi pour s'acclimater, faire un petit sommet d'acclimatation vers 4500 mètres, donc ça faisait tout de même 700 mètres pour l'acclimatation, c'était déjà pas mal, même un peu dur à cette altitude-là, parce qu'en 3 jours, on était monté quand même de 1400 mètres à 4500 mètres, ce qui est pas négligeable. Le quatrième jour, on a rejoint un camp, donc là il n'y avait pas de lodge. Les porteurs nous ont installé le camp. Ce camp, c'était Langchichakarka. La journée était assez courte, on a fait à peu près 500 mètres de dénivelé, mais à cette altitude-là, c'était déjà pas mal. Ça nous a permis un peu de repérer les faces, de regarder un petit peu la voie normale du Langtang Yerung. Et le dernier jour, donc le cinquième jour du trek, on a rejoint donc Langchichakarka au camp de base, donc le camp de base à 4500 mètres environ. Au camp de base, on avait avec nous un cook et 3 aides cuistots. Dans les aides cuistots, on avait un lama qui a pu nous faire la cérémonie de la puja. C'est une cérémonie pour bénir et protéger nous et notre équipement avant d'aller faire les ascensions. Pas très content, et c'est moi qui regarde, on dirait. Ensuite, donc, on faisait le repas du soir très tôt, vers 17h, 18h maximum, ce qui nous laissait la soirée libre. Pour moi, ce qui était difficile pendant l'expé, ça a été l'acclimatation. Ça marche là ? T'as quoi comme sensation ? Donc on est parti pour faire notre première voie d'acclimatation.
On a fait un premier camp, on avait repéré une ligne. On a fait un premier camp à 5000 mètres. Donc on est monté, on s'est refait un camp d'altitude là-haut. Donc on a passé une nuit à 5000. On est au camp à 5050 mètres, au-dessus du camp de base. Et on se prépare pour partir demain pour une jolie goulotte, on l'espère. Qu'est-ce que tu fais, Julia? Je fais chauffer l'eau pour les thermos pour demain. Et le lendemain, on s'est levé à 3h du matin pour essayer de faire le sommet qu'on avait repéré. Et on n'était pas si acclimaté, donc on a préféré redescendre au camp de base. Une fois qu'on était un petit peu plus acclimaté, on a choisi de le faire en une seule fois en partant du camp de base. On a rejoint notre camp d'altitude à 5000 mètres. De là, on a récupéré du matériel qu'on avait laissé. Et ensuite, on a monté encore à peu près 500 mètres de dénivelé pour atteindre le glacier. On a traversé tout le glacier pour arriver au pied de la ligne qu'on a repérée. Ça a commencé par du rocher au début. Ensuite, on a rejoint la neige. Donc, après, ça a été une majorité de pentes de neige. Ça va, Carole ? La langue qui pend, là. Donc là, on était assez essoufflés, hein, parce qu'on commençait à 5006 à peu près. Donc on sentait l'essoufflement qui était là. On est arrivé vers 13h donc sur la crête. On a préféré arrêter sur cette antécime à 5 minutes. On était déjà bien contents d'être là. On avait un magnifique panorama. C'est fatigant l'altitude. C'est fatigant ? Ouais. Ouais. T'as vu ce qu'il y a derrière toi, tu nous montres ? Le Chichapangba, ouais. La face sud. On est parti à 1h30 du matin du camp de base et on est arrivé à 21h30. Donc ça fait une bonne journée, une grosse journée bien remplie. Voilà. Et avec un beau gâteau au chocolat pour moi en arrivant. Du coup, quand on a été à peu près acclimaté, on est parti poser un camp sur un glacier. Donc on a traversé tout un système de moraines un peu casse-gueule là, pour aller poser un camp avancé sur un glacier. Donc on l'a atteint, c'était à 5100 à peu près. Voilà, c'était super confortable. Voilà, donc on a mis la tente là. Et donc on est parti faire la goulotte qui était au-dessus. Donc en fait il y avait une petite heure d'approche pour atteindre la rimée. Une rimée bien ouverte, voilà, fallait bien faire gaffe à pas tomber dedans. Et puis au-dessus de la rimée, donc deux petites longueurs en glace, glace un peu en traversée, un peu mixte. Voilà, ça grimpait déjà pas mal de bon matin. Et puis ça permettait d'attraper tout un système de grandes pentes de neige, avec un peu des fois de la glace qui affleurait. La neige, donc avec des consistances qui changeaient, des fois on brassait jusqu'à mi-cuisse, c'était un peu la galère. Des fois de la super bonne neige où ça grimpait très bien, c'était entre 45 et 70 degrés selon les longueurs, donc ça, c'était vraiment des jolies pentes de neige où voilà, on ne s'assurait pas facilement, mais ça avançait bien. On a fait, on a sorti la cascade en deux petites longueurs et ça nous a ramené sur la fin à une arête de neige qui menait au sommet. Donc en deux longueurs, on a atteint le sommet. On l'a souvent sous les yeux, mais là du sommet, on a un 360 qui est magnifique avec tous les sommets alentours. Donc ça, c'était vraiment la récompense, quoi. Donc voilà, et deux semaines passées à plus de 4005 avec des petites pointes à 5008. Je pense que c'était une bonne expérience pour les filles, une bonne première expérience en altitude. Elles ont bien pu se rendre compte de la difficulté qui était liée à l'altitude. La difficulté qui est liée aussi à l'inconnu, parce qu'on a très peu d'informations sur ces montagnes, et donc il faut à chaque fois découvrir, défricher. Ça, c'est intéressant. Je crois qu'au final, c'est vraiment une belle conclusion pour un cycle de formation, et une belle conclusion pour un cycle de formation d'alpinisme.